YouTube, salut. Deuxième épisode sur Little Nightmare 2. On est déjà mort 12 fois. Il est 22h05. Il est 22h05. Alors, si quelqu'un a un PC dans mes modérateurs, Kayoki, si t'es encore motivé, si t'es encore là à fond, un petit pari, ça pourrait être chouette, hein. Ils veulent pas faire de 3, il me semble. Ah bon? Bah écoute, moi je m'en fiche, j'ai toujours le 2. Et attention à ce que vous dites par rapport à l'histoire. Hein. Parce que ça veut dire que techniquement c'est ça clôture d'une certaine manière. Bref, Kayo, si t'es chaud, un petit pari, hein, un petit pari là, jusque 23h, peut-être est-ce que je vais mourir 20 fois? C'était 10 avant et on était déjà à 2 morts. Là, ça va être 20, on est à 12, donc voilà, tu vois, c'est. Hein? Petit pari. Est-ce que d'ici. Ouais, c'est ça, Kayo, parfait. Est-ce que d'ici 22. Ah, 22h30! 22h30? Ça, c'est parce que tu connais la suite. J'avais dit 23h, je voulais dire. C'est ce que je voulais dire en plus. J'ai dit 22, mais je voulais dire 23h. Ah. 22h30, c'est chaud. Hein. Disons 45. Viens, on fait un petit. Oh, 23h, c'est bien. Ok, go 23h. Faut voir large. Large. Voyons large. Donc, ouais. YouTube, voilà. Hein. Voilà. Je remets le jeu. Donc, petit pari, les amis, qui va arriver dans quelques minutes. Est-ce que je vais crever jusqu'à 20 fois? Est-ce que je vais atteindre 20 morts avant 23h? Vous verrez. Vous pouvez parier quand ça arrivera, je vous préviendrai, vous le verrez dans le chat. Si on ne veut pas faire le 3, rien n'empêche une suite sur un autre studio, mais on verra. Ouais, qui sait, hein? 2 ou 5 minutes. Ah, tu peux mettre 5, et comme ça les gens ont bien le temps de négocier et de parier, tu vois. Vas-y. Vas-y, je prendrai le temps. Mais 5 minutes. Bon, on vient d'arriver au bord d'une plage, sur une porte. On est avec notre ami ici. On est arrivé au pied d'une ville qui a l'air très étrange. On va aller voir ce qui se passe. Hein. On va aller voir. C'est ici en plus le menu principal, il ressemble à ça, je crois. Monsieur K, ça roule mon vieux. Oh, il y a un troisième là, il y a quelqu'un. C'est une illusion, il y a un délire, il y a quelque chose. Je l'ai attrapé, ça m'a. What the fuck? What the fuck? Il y a une porte pour entrer là-bas. Jusqu'où je peux aller au fond de la plage là? Pédélé. Salut Daron de Capix. Ça va, ça fait longtemps. Comment ça va? Est-ce que je peux aller jusqu'ici? Est-ce que je peux grimper là? Est-ce que je peux aller sur les cordes? Je peux pas. Je ne peux pas. Ça fait bizarre de voir ma gueule sur un écran, non? Hein? Désolé, mais voilà quoi, ça a pas marché. Ça, c'était un collectable, Léos. Ok, collectible, collectable. J'ai remis, désolé, j'ai fait une boulette. Ah! Ah bon, le pari est en ligne, là, les amis. Elle a relancé le pari, ça ne fonctionnait pas. Je sais pas ce qu'elle a peut-être fait une petite erreur. Donc le pari, c'est maintenant, les amis. Vous avez 5 minutes, hein. Ah non, vous avez 2 minutes! Aïe, putain, je me suis cogné. T'as mis 2 minutes? Ou c'est 5 ça? Ça me paraît court. Mais c'est pas grave, c'est bien. Ça m'étonne pas, Capix. Ça m'étonne pas. Bon, allez, on va rentrer là-dedans. On va rentrer ici. 5. Ah ouais, 5? Ah ouais? Ça descend vite, hein. Ok. Tu vois pas? Actualise alors. Sur téléphone, normalement, c'est ok, il me semble. Bon, allez, j'aurais été tourné en rond, on va avancer. Normalement, sur téléphone, c'est ok. Ouais, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis 12 000 là. Oh, succès. Vous voyez qu'il y a un écran noir? Ça, c'était la fin du chapitre. Vous voyez, il n'y a pas eu. Je suis pas juste rentré, il y a eu un chargement. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est parti. What the fuck?
Je pense qu'il n'y a rien ici, on va avancer. Oh putain, on est dans les rues de la ville, quoi, carrément. Je me demande ce qui s'est passé dans cet univers, hein. Pourquoi, enfin. Déjà, qu'est-ce qu'on est, nous? Parce que nous, on est des mini-moys, on n'est pas des enfants, on est vraiment des petits hobbits. On est plus petits que des hobbits, même. Quelqu'un veut du papier cul? Ah, ça va, on est plus au début du Covid, là, hein. Vous avez compris, mais non, mais. Hein, vous avez compris, je pense, hein. Hein, vous dévalisez plus les magasins, là, hein. C'est fini, cette histoire, hein. Bon, on va laisser le PQ ici. On va avancer. C'est grave stylé, hein. On dirait qu'il y a des détraqueurs qui volent là-bas, mais c'est des débris. Allez, let's go. Déjà, c'est des. Mais il y a des vêtements partout, comme si les gens s'étaient évaporés. Merci Capix, on va tenter. Hein. Donc ceux qui sont en rouge, en deux, c'est ceux qui croient en moi, c'est ça. Hein. J'ai claqué tous mes points sur ma confiance en toi. je peux crever 7 fois alors. 7 fois jusqu'à 23 h. Pour ceux qui croient en moi. Vous avez encore le temps de parier, hein. Il vous reste encore 2 minutes plus ou moins. Oh mais t'inquiète Nathalie. Hein. Ne t'inquiète pas Nat. T'inquiète pas, va. Pour l'instant, c'est calme. Débarque. Ça manque un petit briquet, là, comme dans le premier. C'est ça qui me manque. J'ai envie d'une lampe, moi. Mais c'est quoi ces télés? Qu'est-ce... Je sais qu'il y a un rapport avec les télés dans ce jeu, mais je comprends pas très bien. Et je peux pas grimper aux cordes, on est d'accord. Non, je peux pas. On passe au travers. Attendez. On va devoir passer par là-bas. C'est trop haut, là. Est-ce que je peux tirer quelque chose? Meuf, t'as une idée? Ou tu me fais la courte échelle, peut-être? Tu veux me faire la courte échelle, ici? Oh, elle me fait la courte échelle. Let's go. Ok. Claquer tous mes points dans ma non-confiance en toi. Mais je bois là. Eh mais putain, les paris, c'est du 12 000 contre du 11 000 points. Hein. Là, il vous reste moins d'une minute. Les gars, par contre, là, c'est le moment de parier. Parce que là, il y a de la thune à se faire. Je rappelle que plus vous mettez, plus vous gagnez de points si vous gagnez. Mais plus vous mettez, plus vous perdez si vous perdez. Mais arrête de crier, j'arrive! Je cherche une solution. Je cherche une solution. Si je fais ça, il se passe quoi? Hop! Elle m'appelle. Peut-être que je dois. Peut-être qu'il y a une solution que j'ai pas. Yoshai! Mais t'es nul aussi, tu meurs comme ça. Oui, Yushai, comment ça va? 10e mois d'abonnement, merci frérot. Merci, merci. Bon, on est à 13 morts, voilà. Mais elle m'appelle, mais comment je suis censé faire moi? Elle fait aïe aïe. Attends, 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 parce que là je sens que je peux pas aller par là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah mais attends, et ça je peux pas. Arrête de m'appeler! Pardon. Je peux pas pousser. Là il y a un escalier. Il me faut un putain de briquet, je vois rien. Hey! Putain, j'ai trop peur. On voit tellement rien. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Non, mais c'est un rapport avec ça. Je dois aller sur le toit, sur la télé, c'est évident. Ça me plaît vraiment pas. Je sais pas ce que je dois faire. Je retente ça? Je retente cette merde-là? Oh! Salut Mathis, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, comment tu vas? Pour l'élan. Sporgy qui est dans le chat. Comment ça va mon petit cous? Comment tu vas? Tout va bene. Bienvenue à vous deux!
Mais ouais, ça fait un bail, Sporgy, ça fait un bail. J'espère que tu vas trop bien. J'espère que vraiment tout va bien pour toi, mon vieux. J'espère vraiment. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous. Moi, je sors de 2-3 semaines de vacances. Là, c'est la reprise pour moi. Je suis allé à la mer du Nord, en Belgique, très cher Sporgy. Dans le même coin qu'on avait l'habitude d'aller quand on était plus jeune. Oui, arrête, elle m'appelle toujours. Parce que là, je vais être sûr de mon coup. Hein. Hop. Allez, pour de l'élan. Sporgy, il y a... Oh, il y a les remakes de Pokémon Diamant et Perle qui vont sortir... fin d'année sur Nintendo Switch. Ce sera le même jeu, mais en 3D, en mode joli, quoi. Ben, le même jeu, quand même. Je pense que je vais acheter, parce que j'ai perdu ma version Diamant. Rototo, il s'est passé que j'ai survécu aux chasseurs. Voilà. Et ouais, Mathis, ça fait longtemps hein, que tu m'as pas vu en stream. Tu streames toujours, toi? Ça se passe de ton côté? Tu vas dans l'ombre? Ok. Ok, Mathis. Elle est là. Oui, attends, je vais t'aider. Je vais t'aider. Alors, pour ceux qui débarquent, on joue à un petit jeu. Horreur, creepy. Little Nightmare 2. Un univers assez étrange, obscur, où on incarne de petits êtres qui apparemment attirent de mauvaises personnes qui essaient de nous bouffer, littéralement. Donc dès qu'il y a un humain de taille normale qui nous voit, il veut nous tuer, je ne sais pas pourquoi. Et quand je dis humain, je ne sais pas si c'est des humains, parce qu'ils sont tous extrêmement étranges. En tout cas, c'est un jeu qui est incroyable. Et celui-là, c'est le 2. C'est le 2, c'est le 2. Je sais pas si vous connaissez tous ou pas. Elle veut que je saute! Allez, on a confiance. Oh putain, c'est vraiment pile poil, hein? Tadadam. Ah merde! Ah ouais, c'est vrai! Ah, pas cool. Ah ouais, écoute, si ça fait les vacances gratuites, si tu prends comme ça, tout va bien, hein? T'as vu les stories à la mer? Ah oui, c'est vrai, ouais, tu m'as sur Insta, c'est vrai ça. Ouais, je me suis un petit peu amusé, j'ai fait un peu l'Instagrammeur là. Donc t'es au courant pour mon coup de soleil sur le crâne, pour ma piqûre à la cuisse. Yes. J'ai oublié c'est quoi la commande. T'inquiète. Kaioki. C'est dans le titre, hein. Kaio, il faut apprendre à lire par contre. Hein. Justement, je vais m'y remettre là, j'ai recommencé Emerald sur émulateur. Ah ouais! Ah, si t'as besoin de poser des... Enfin, si t'as besoin de conseils, Sporgy, tu n'hésites surtout pas. Je te donnerai toutes les infos qu'il faut par rapport à la Switch et tout, laquelle prendre, pourquoi pas l'autre, pourquoi celle-ci, blablabla. Et voilà quoi. Et si jamais t'achètes diamant, je crois qu'il sort en octobre, novembre, enfin diamant ou perle, oh là là là, ce serait incroyable si on pouvait faire un échange de Pokémon comme à l'époque sur la cuisse. Non, c'était vraiment la cuisse. J'ai fait croire à tout le monde que c'était l'entrejambe, mais au final, j'ai quand même dit non, c'est la cuisse. Sporgy, s'il te plaît, l'intérieur de la cuisse, je veux bien, mais la cuisse tout de même. Je serais pas ici, je crois. Je crois que je serais toujours. Je serais à l'hosto, je pense, si c'était pas là. Allez. Désolé, hein, je sais que là, je me sors un petit peu du truc, du jeu, mais. Mais c'est ça, Twitch aussi. On est là, on est bien. Alors, doucement. C'est vrai que là, j'ai le sourire et tout, parce qu'il y a Sporgy dans le chat. Sporgy que je connais bien, c'est pour ça. Mais soyons sérieux. Il fait peur ici, là. Mais c'est bizarre! Les gens se sont évaporés. C'est quoi cette histoire? Sinon, Pokémon Emerald, c'est un de mes préférés. J'ai envie de le refaire un jour, évidemment. Ouais. Bah, ouvre les yeux, Kaio. Un peu de mal, toujours pas affilié après bientôt 3 mois le stream. Franchement, moi j'ai mis plus que 3 mois pour être affilié. Hein. Mon premier stream, c'était en février. Et j'ai été affilié en novembre. Voilà. Si ça peut te rassurer. J'ai mis énormément de temps à être affilié, moi. C'est comme ça, hein, on apprend, c'est les débuts. Hein. Force et patience. J'ai recommencé Rouge Feu sur Game Boy Advance. Oh là là, j'ai plus mon Game Boy Advance SP, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Tu as vu le League of Legends Pokémon? Ouais. Mais ça me tente pas, parce que le League of Legends. Ça roule, Sporgy. C'est parfait, ça roule. Ça roule, ça roule. J'ai du flou, je vais acheter une console et grinder. Ah, let's go, Sporgy! Trop cool. Trop cool. Bon, vas-y, je me plonge un peu dedans.
Est-ce que je vais vers la télé? Regardez mon corps. Est-ce que je vais vers la télé? Ou est-ce qu'elle va me bouffer? Venez, on va vers la télé. Non, c'est pas une bonne idée. Si, on y va. Tout au ralenti comme ça. C'est qui Toby? Dobby! Dans Harry Potter? C'est sûr, c'est Dobby, c'est avec un D. C'est trop... Par contre, je comprends pas ce qui s'est passé, mais... C'est Dobby. Attends, c'est pas Toby quand même? Ma vie serait un mensonge? Ah non, ça va, c'est Dobby. ça va, sûr. C'était hyper stylé. Regarde, on a des chapeaux. Hein. On a des petits chapeaux. Hein. On est rentré dans la télé, dans le couloir qu'on voyait. On en est ressorti. Peut-être que c'est un pouvoir qu'on va devoir apprendre à maîtriser. Ça me fait un peu peur, Kaoki. Hein. C'était un peu limite. Hein. Spongy. Ah, mais j'en doute pas, Spongy. Même si maintenant, tu vis ta vie sur un bateau. Hein. Tu vis loin de la société, sur ton petit bateau au milieu de la mer. Tu ne connais plus la vie moderne. Je comprends que tu aies besoin de montrer maintenant que tu as des connaissances. Oh, je dis n'importe quoi. Fais pas attention, Spongy. Fais pas attention à moi. Putain, mais par contre, tu te rends compte de l'immensité. Dans le premier, on est vraiment dans un milieu complètement fermé, et là... C'est quoi? Ouh, ça, c'est un level, ça. Ça, c'est une école et c'est un level. C'est le level qu'on va se bouffer maintenant. Regardez, il y a de quoi grimper là-bas. Eh, viens. Est-ce que je peux faire de la balançoire? On est dans l'ambiance. Allez, chacun d'un côté. Oui. Tu viens dessus ou pas? Oh, elle vient dessus! Oui! On va observer s'il n'y a pas un chapeau quelque part. Hein. Putain, mais c'est la première fois qu'on a des environnements aussi grands. Regardez la caméra qui zoome et tout! Dans le premier, on n'avait pas des environnements aussi larges, aussi grands. Hein. Oh, il y a un truc! C'est un collectible! Attends, qu'est-ce qu'elle fait là? T'as vu quelque chose? Désolé si vous voyez pas grand-chose, hein. J'avoue que c'est assez petit là. Je sais pas ce qu'elle a fait, pourquoi elle s'accrochait à la poubelle. Je pense qu'on a eu le collectible, je pense qu'on peut aller vers là où on doit aller. Meurs déshydraté, je t'en prie. Mais non, ok.
Juste que là, j'ai que de l'eau, quoi. Donc ça m'intéresse moyen, hein, Kaio. C'est ça que je vais m'y remettre là. Dès septembre, j'aurai plus de temps. Mais let's go, Sporgy. Je serai là. Je serai là pour répondre à tes questions, pour geeker avec toi si tu le souhaites. C'est pas un chapeau dans la poubelle, hein. Attends, j'ai quand même envie de vérifier. Non, ça ressemble, on dirait un ballon. Si je grimpe là. Ah, là, c'est quoi ça? C'était un chapeau! Oh! On a une bouboule. Putain, c'était un chapeau. Si je mène dans le goal là. Mais tiens! Bon, chapeau boule, je suis pas sûr. Non, on les a tous, hein. On les a tous. C'est parti. Ah ouais, c'est vrai. Infinity, let's go. C'est parti. Elle fait quoi? Tu viens? C'est bon, elle me suit. Monsieur, monsieur, monsieur. Doucement, hein. Pourquoi y a une poubelle qui fume là, bordel de merde? Alors je suis pas fan du chapeau. On va remettre celui du début. Pourquoi une poubelle qui fume? Donne-moi la main, j'ai peur. Donne-moi la main. Parce que là, ça veut dire qu'il y a de la vie, hein. Il y a les lampes allumées et tout, il y a un truc qui brûle. Attends, lâche ma main 2 secondes. Hop. Ah oui, on est mieux dans le noir, hein. On est mieux dans le noir, on sait pas ce qu'il y a ici, donc il faut qu'on se cache. Bon, t'imagines, il y a quelque chose qui vient pour allumer la lampe. Le genre là qui sortirait maintenant de la porte à ma gauche. Non? Putain, ça aurait été incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Il y a un seau, il y a un truc. Je vois pas bien c'est quoi. Non, il y a rien. Avançons. Y a encore de la lumière là-bas. C'est plus qu'une école, c'est un internat là où on est. Si je prends la balle, il se passe quelque chose. Pourquoi t'as pris un objet en main? C'est quoi que t'as dans tes mains? Donne-le-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi que t'as dans ta main? Meuf, par contre, faut pas me faire peur comme ça. Hein. Y a un bocal là. Est-ce qu'il y a un truc dedans? Regarde. Je dirais pas. Je suis à fond dedans. Hein. Je suis à fond dedans, donc là, je regarde pas le chat. L'ambiance, là, l'ambiance me prend, c'est incroyable. Est-ce que je peux grimper de lit en lit? J'ai pas l'impression. Une valise là. Je suis dans la phase, j'observe mon environnement. Y a énormément de bordel, mais. Et si j'allais rallumer la lampe? Ah mais non, il y a déjà une lampe. Mais d'ailleurs l'ampoule, regardez l'ampoule! Ça éclaire, mais l'ampoule elle est éteinte. C'est du n'importe quoi. C'est l'arnaque. Attendez, on retourne en arrière, on va allumer la lampe et on revient pour... Non, attends. Si là, je tire juste le tiroir là. Je peux pas? Non, ça dégage. Oui, il grimpe. Non, il se passe rien là.
Il sursaute surtout. Mais nous, que dalle! Je sursaute pas, moi. C'est pas une poubelle, c'est une chicha, mais ils ont trop mis de charbon. Ah, je sais même plus de quoi tu parles, je t'avoue. Est-ce que ça va changer quelque chose? Et là, à droite? Et du coup, ici? Ah, mais il y avait un bug, regardez. Il y avait un bug, là, la lampe, elle est vraiment allumée maintenant. Vous voyez? Il y avait un bug, l'ampoule, je disais qu'elle fonctionnait pas, mais il y a eu un problème. Bon, je sais que je peux grimper là, mais... En quoi ce serait utile? Ok, on est face à une énigme. Alors, en termes des objets au sol... Dans les bouts de verre, il n'y a rien. Mais là, il y a un truc, là, mais je n'arrive pas à grimper au-dessus. C'est ça qui m'emmerde. Bouge. Je peux pas ouvrir les tiroirs. Je sais pas, il y a une poupée avec une poignée au-dessus. Je vais pas tarder à vous demander, mais soyez patient. C'est pas un bug, mais de la sorcellerie, je te dis. Après, le tapis, il est bizarre. Et après, là, il y a un vieux clown dégueulasse ici, on le voit pas bien, mais... Regarde derrière. Ah, je peux pas aller plus à gauche? Ah non, je peux pas. Il y a un pli dans le tapis. Je viens de me bloquer. Regardez, je flotte dans les airs. Je suis bloqué. Ah bah, je savais pas que c'était possible dans ce jeu. Hein. Regardez! Là, je suis accroché et quand je lâche, je suis entre le vêtement et la... Et merde! C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu, ça, en fait. Oh, ça compte pas pour une mort, hein. Bon, ben, le tapis, il faudra que je chipote après. Est-ce que le tapis, peut-être que je peux tirer dessus. Ça, c'est vrai, on pourrait essayer. Bon. Oh, ça compte pas pour une mort, hein. Après, il y a un truc avec la lampe. Pourquoi je peux éteindre les lampes aussi? Ah si si, ah bon? Bof. Bof. Celui qui offre 10 subs, je veux bien lui admettre que c'était une mort. Mais s'il n'offre pas 10 subs... Bon, le tapis, j'essaye, mais je n'arrive pas à... Je peux pas attraper le bout du tapis. Donc... Avec la balle, est-ce que je peux... Attends un peu, je peux jeter un objet au-dessus de l'armoire. Pour faire tomber ce qui est au-dessus. Non? Attends. Mais en fait, c'est ça, il y a plein d'objets. Est-ce qu'on en a deux... Parce que des fois, on a besoin de faire tomber des choses. Peut-être que, il y a un truc en hauteur que je dois faire tomber. C'est peut-être pas ça, hein, mais on va tenter au-dessus de l'armoire là-bas. Je lance pas assez haut, je crois pas. Non, ça doit pas être là. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, sur le lit, il y a un truc bizarre. Ça ressemble à un... À quelque chose. Alors, dans le premier, j'ai déjà essayé de faire une montagne d'objets pour grimper dessus, mais ça marche pas. Hein. Je peux pas choper le... Je peux pas choper ça, là? C'est de la corruption, là. Bah oui! Ah oui, c'est de la corruption. T'es bloqué tout seul, donc c'est de ta faute. J'appellerais ça un problème du jeu. Bon, on va retenter de jeter là-bas. Après, il y a une boîte à outils là aussi à côté, là. Allez, je vais essayer de donner toutes mes forces.
Elle a... Mais attends. Ah mais non. En plus, elle-même prend un objet. Pourquoi t'aurais besoin d'un objet, toi? Enfin, ça veut dire qu'il y a, il y a quelque chose à faire avec un objet. Est-ce que c'est juste pour me perturber que je puisse faire ça, là? Oh! Regardez! Vous avez vu? Vous avez pas vu, hein? Si, vous avez vu. Celui qui a pas vu. Et là, je viens ici. La lampe, elle fonctionne toujours sans ampoule. On prend un objet. Attends, prends un objet aussi, toi. Tiens, prends celui-là, je vais prendre autre chose. Ah non, mais t'es sérieuse. Prends un objet maintenant, j'ai besoin que tu prennes. Prends un objet! Tiens, prends la balle! Et moi, je prends la boîte de conserve là, si tu veux. Ça marche pas? Je prends la poupée. Hop! Comme ça, on a deux objets. On va essayer de. Ça va sans doute rien faire, mais on va lancer l'objet sur le tableau. Ça ne va rien faire. C'est évident, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, on va tenter. Ah, mais ce jeu a une ambiance incroyable. Hein. Sporgy, vraiment. Alors, lancer des objets bêtement ici. Peut-être qu'il faudrait un objet qui éclaire pendant la nuit. Qu'est-ce que. Ok, on retourne en arrière. Il fait exprès de perdre du temps là. Mais je sais même pas ce que je dois faire! Vous connaissez, c'est facile, mais vous avez galéré combien de temps en vrai? Qu'est-ce qui pourrait avoir un rapport avec la lumière ici, un objet, quelque chose? Parce que cette pièce ne sert pas à rien. C'est quoi ça au sol ici? Chaussettes? Ouais, mais il lance plus fort dans le 1, non? Les objets en plus. On lui donne la solution. Non! Ici, pas trop, ça va, mais je te dirai où j'ai galéré un peu plus. Ok. Bon, pense que je dois penser comme un jeu vidéo. On a vu, il y a un... Ouais, bon, tu sais quoi, viens. Non, non, je vais quand même prendre le cube avec moi parce que j'ai envie. On va mieux observer là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais tirer pour grimper, pour... T'en vois rien. Bon, attends, maintenant qu'on sait qu'il y a un truc, on peut laisser éteint. Hop, on sait qu'il y a quelque chose derrière le... Derrière ça là-bas, on sait qu'il y a quelque chose. C'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Mais je lançais comme une merde. C'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. J'ai trouvé. Hop, allez, on se casse. On progresse là, un peu là. Hein. Oh. On va retourner par là. Hein. Ça ressemble à une trappe devant moi, je sais pas pourquoi. Ça là, si je fais un pas dessus là, je tombe. Non? Je pense, non? Vous pensez pas? Peut-être qu'à deux si on saute. Ne pense pas, soit le jeu vidéo. Ah, un petit briquet comme dans le premier, là, ce serait vraiment bien. Parce que maintenant, eh ben, il reste 20 minutes pour le pari, ça va, hein, j'aurai le temps de voir de quoi mourir, je pense. Je suis à 13 morts. Je suis à 13 morts. Franchement, même si j'ai galéré, je suis vraiment à fond dedans. Et ça, c'est un plaisir. Je descends, ouais, y a rien ici.
peux pas passer sous le tuyau là, y a rien? Non. Mais le petit allumette, le petit briquet, ce serait trop bien. Franchement, c'était pas évident, non? Enfin, il fallait. Il y avait un truc avec. Enfin, en fait, ça peut être évident pour beaucoup de gens, hein, ce qui s'est passé juste avant. Chacun a des choses qu'il va voir plus facilement que d'autres, comparé à d'autres et tout. Là-bas, il y a une télé. Regardez, ça clignote, il y a une télé. Elle m'a laissé tomber l'autre, elle a compris la meuf qu'il fallait pas venir ici, je crois. Gran! Merci! Oh oui, c'était trop bien, ça m'a fait du bien mes vacances, merci pour ton resub. Merci Gran, c'est trop gentil. Re-bienvenue à toi, merci de revenir à la reprise directement. Hein. Un peu le challenge là, mais oui, ça va arriver. Ça me fait trop plaisir Gran de te voir. Dès mon retour, vraiment. J'espère que tout va bien de ton côté. Moi, je suis reposé. Je vous cache pas que les vacances me manquent déjà. Et là, tu arrives à un moment plutôt tendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux rien faire avec ça? Tu arrives à un moment un peu tendu. J'aime pas quand il y a un ballon là. Il y a une sauvegarde automatique. Oula, je le sens pas. Oh putain! Oh, elle est là, la fille. Putain. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trop peur, Grad. J'ai trop peur. Dis-toi que tu fais Lego machin chouette avec ces énigmes de dingue, alors t'inquiète pas. Oui, c'est vrai! Comment tu vas, toi, Gran? Dis-moi, comment ça va, toi? Il y a une autre personne. Elle avait l'air un peu plus grande que nous, c'est bizarre. Bizarre ça. Ça fait tellement peur. Mais ça, je suis sûr, c'est le petit gamin qui se protège des grands. Enfin, le gamin, je dis que c'est des gamins, mais le petit bonhomme comme nous. Mais il est plus grand que nous, lui. Ça va, si c'est que ça, si c'est que ça, l'ennemi. Mais il est caché au fond. Il nous observe, mais il a l'air grand. Bill a pris 5 fois dans la tronche, c'est vrai. J'ai pris le taf depuis 2 semaines, mais ça va. Oh, courage, hein. Si ça se passe bien, alors tout va bien. Putain, j'ai réussi à ne pas me le prendre. C'est des billets, ça? Ah! Ah mais on est dans un orphelinat, donc il y a plein de gens comme nous. Enfin, je dis comme nous, mais rien là. C'est très bizarre. Parce que chaque fois, je dis que c'est des enfants, mais... Bon, attends, parce que là, il va y avoir des pièges là. C'est pas très flippant là. J'avais peur, et maintenant, j'ai plus trop peur. Où il est passé? Ah non, on me dit pas qu'il y a une énigme ici encore. Juste faites-moi avancer. Bah, j'espère qu'il y a un singe. Il y a un singe. Ah bah, ok, c'est bon, merci. Hop, voilà. Ah, il y avait même pas besoin de ça pour sauter, elle a sauté direct.
Ok, on fait gaffe aux... aux planches bizarres. Ça m'a touché! Alors... Je me suis... Ah, je recommence! Ah non, c'est mort. Je me suis abaissé, mais avec ça. Genre, j'ai baissé là. Mais pour s'abaisser, il faut appuyer sur R2, en fait. Quand tu t'abaisses comme ça, il s'abaisse pas, en fait. Voilà, 14 morts. Je rappelle, le pari, c'est... Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais avoir... Est-ce que je vais atteindre 20 morts avant 23 heures? Le début, on est mort quelques fois, mais maintenant... Maîtrise la plus totale. Allez! Ok. Oh... Pauvre, il y a une tronçonneuse. Une tronçonneuse? Où t'as vu une tronçonneuse? Ah, le... Bah non, quoi? Hein? J'adore le perso que tu joues dans ce jeu. Moi, je le découvre, donc j'ai hâte de voir si il va me faire kiffer ou pas. T'as le bruit que ça fait. En plus, je suis retourné sur la même mauvaise planche, quoi. Re, monsieur K, ça va depuis tout à l'heure? Et c'est la poursuite, là, hein. J'ai envie de courir après eux, mais il y a des pièges partout. Tu te caches là? Oh, attention! Je vais choper le marteau, ils vont voir ceux-là. Oh, ils me voient pas. Oh, ils me voient pas. Oh, ils me voient pas. Mais... Tiens. Je peux pas passer au-dessus avec le marteau? Putain. Pardon pour mon langage, désolé. Je suis juste énervé contre eux. J'aime pas les petites créatures comme ça, moi. Ça fait pas peur, ça donne juste envie de les écraser. Ah, ici, ça se passe très bien, très cher. Y a un piège avant la planche, là, non? Ils ont volé ma pote, ouais. Coulifla, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Comme tu dis, l'ambiance est plutôt de boue, hein, ici. Mais ça va, ici, ça fait pas trop peur, je crois. On est dans un niveau sympa, mais qui fait pas trop peur, je dirais. Pourquoi c'est tout flou, là? Ah, ben voilà, maintenant je vais avoir peur. Il y a une maîtresse, là. Elle m'a entendu? On va dire qu'elle m'a pas entendu. Moi j'ai peur des grands là, j'ai pas peur des petits en fait. Y'a rien de spécial ici? Ah, il faut Cauliflower, ils sont géniaux. Il faut. Putain, il y a une 4 là.
J'ai peur d'avancer là. J'ai peur. Mais oui, j'ai vu que tu streamais, Colifla, c'est cool. C'est trop cool. Mais ouais, cela en plus en stream, c'est chill. Ok, ça va, franchement, ça se passe. Tout va bien. C'est flippant, mais genre ça va. Alors il y a une clé là, pourquoi faire? Et là-bas, il y a une. Il y a une. Ça, je peux pas l'ouvrir ça? Non, ok. Il y a une clé. Je peux grimper sur l'armoire. Hey Toto, dis pas n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ils vont pas faire ça. S'il te plaît. On n'est pas dans ce genre de jeu. Bon. Alors. Je me rappelle mon horrible prof de CP qui était très méchante avec moi. Ish! Pas cool. Aussi, elle avait ça ou. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai chopé une clé, mais je sais pas où j'en ai besoin encore. Elle faisait pareil? J'avoue que. Je sais pas de quelle manière elle nous tue. Est-ce qu'elle nous bouffe? Elle nous crotte? Elle nous croque? Je me demande. Très Dark Souls comme mort. Ouais, l'armoire sur ma gueule, je suis pas sûr. Hein. Attends, je suis où là? Oh, je suis dans l'armoire! Va revenir derrière son bureau ou pas? Là je suis derrière son bureau. Ok, 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 ok. Oh putain! Bon mais maintenant on sait comment elle tue. Elle allonge son cou et elle nous croque. Non pas crotte, bien sûr. J'ai cru que je l'avais esquivé quand même. Hein. Mais ça va loin. Hein. Putain, c'est le fil de ouf. On verrait le pouvoir, c'est ça Enzo, ouais. Mais je sais...
Ok. Ah, le cadenas, c'est là. Où est-ce que je me planque si ça fait du bruit? Ok, ça va, ça fait pas de bruit. Il a changé, c'est sûr. Ah putain, elle est stylée. Elle est vachement stylée. Ah, je l'aime bien, j'aime bien. J'aime bien cet ennemi, il est cool. Et vous le savez, dans ce jeu-là, ils finissent tous par crever. Donc j'ai hâte de voir comment on va la tuer, celle-là. Je me demande aussi si on va retrouver Six, le personnage du premier jeu. Ne spoilez pas, les amis. Hein. Oh, ça va, mais je vais survivre. Hein. Attention, lui, c'est un... Il a un chapeau, mais c'est un méchant, lui. De toute façon, je suis obligé de... Je suis obligé, là. Il y a un marteau derrière lui. Si j'arrive à le choper... Il y a un truc pour le frapper. Si j'arrive à le choper et l'éclater... À côté de lui, il y en a un, là, vous voyez ? 3, 2, 1... Mais tout, tout, tout ! Lui, c'est l'âne, c'est le banni de la classe. Il bouffait les autres élèves, ils l'ont mis au coin. Dripinocchio dans Shrek. Ouais, bah il a changé, hein, quand même. Oui, Colifla, elles se sont très bien passées, ça m'a vraiment fait du bien. Prendre mes distances de Twitch, de Discord, de Twitter, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis amusé sur Instagram, j'ai fait des petites stories et tout, ça c'était plutôt fun. D'ailleurs, j'en fais plus vraiment depuis, mais non, mais j'aimerais. Mais il se passait plus de choses, évidemment, quand j'étais à la playa. Mais sinon, c'était trop bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que de ton côté, tout va bien depuis aussi. Ah oui, ils sont tous cannibales, hein. Vraiment, ils pensent tous qu'à la bouffe, hein. Dis-toi, dans le premier Little Nightmare, notre personnage lui-même, il bouffait les autres, alors... Moi, ça fait plaisir, Colifla, c'est gentil. C'est gentil, ce que tu me dis. Ça m'y fait plaisir. Bon. On va faire la même chose, mais accroupi. Moi, GG, Colifla. Bon anniversaire. Ah oui, depuis la... Ah oui, en fait, j'étais pas spécialement hier ou quoi. C'était quand, ton anniversaire? Attends, je me focus. Oh putain, la distance de l'enfoiré, pardon. Parce plus qu'il est pour faire les paris. C'est bon, je me focus, regardez, je me focus, ok? Je lis plus le chat, d'accord? Là, je lis plus le chat. Vous allez voir lui. On va le bait, regarde. Il est 23h, oh putain, je suis quand même à 19 morts, hein. Putain, le bonk à côté de lui, quoi. Oh putain. Mais bon, le pari, voilà, j'ai survécu. Oh, attendez, je me concentre. C'est pas vrai! Elle a payé de peu! De très peu! Le pari vient de se finir quand même! Il est 23h là! Donc c'est. On est à 20 morts! Mais en fait, il court puis il s'arrête! Et du coup, il s'arrête et je tape devant lui et puis il me saute dessus! T'avais quoi? Parler logique? T'as fait que parler logique? Bah écoute, tu me connais quand même, moi c'est comme ça sur mes streams, hein. Moi je discute, hein. On est là pour ça, hein. Vous pensez que c'est la bonne là? Merci Caillot pour le pari, hein. En plus là il y avait des... Attends, mais là en plus là il y avait énormément de points là. Il y avait énormément de points en jeu, je peux pas voir un peu le pari moi
Alors, évidemment, Lul, non, il est fort. 5 personnes et 3 personnes. Mais il y avait quand même, il y avait 10K versus 11K là. Oh là 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 là. Oh. Mais Léos, tu t'es fait le double, toi. Tu t'es fait tellement de thunes. Léos. Putain, quoi. Alors, il fallait mettre plus, hein. En fait, plus tu mets, plus tu reçois, tu vois. C'est. Leios, il avait mis 11 000, donc lui, il reçoit énormément d'en face, tu vois. C'est le truc, hein. Crève. Bah, franchement, on peut relancer un pari, hein. On peut dire 30 morts à, 20, à minuit, hein. Moi, je suis chaud, hein. Vous avez vu que c'est limite, hein. Die, motherfucker. Ah oui, c'est un autre compte. Ah ok, Capix. Ah oui, juste. Monsieur K, merci à toi d'y être venu. Comme beaucoup d'entre vous, hein, pour la reprise des streams. C'est quand même un vrai plaisir. J'ai énormément de chance, les amis. Sachez-le, vraiment, vraiment. Que pour mon retour après plus de 2 semaines de pause, que vous soyez là, c'est. Bah, je sais pas, c'est cool. Je m'attendais à tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens, comme je m'attendais à ce qu'on soit à 3, tu vois ce que je veux dire? Donc, merci. Des bisous, monsieur K. On a fait plus que la somme et la Capix, hein. Barbe Blanche qui est là aussi, mais. Mec, ça fait plaisir. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai pris ma distance des réseaux, de Twitch et tout. Ça m'a fait du bien. Et là, je suis de retour, je suis très très chaud. Et c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Et j'ai plein de jeux prévus. Prochain jeu qui pourrait te plaire, vu que t'aimes bien Resident Evil, c'est pas Resident Evil, mais c'est Dead Space. D'ici une bonne semaine ou deux, un truc du genre. Blue Blura, salut! Bienvenue à toi, installe-toi. Bienvenue, bienvenue. Blue Blue Rat. J'aime bien le pseudo. Je crois qu'elle occupait de mettre la fessée à un élève. Tu connais Capix? C'est trop bien. Hein. Oh merci Barbe Blanche, dis c'est trop gentil ce que tu me dis. Vous aussi, vous m'avez manqué. Hein. Oh merde! Oh putain, non non non. Elle va me bouffer, je suis mort. J'aurais dû me cacher, j'aurais dû me cacher. J'aurais dû me cacher. Alors les amis, il y a le pari qui est en ligne là. Il y a le pari, je vois que personne n'a parié. Est-ce qu'on va atteindre 30 morts avant minuit? Est-ce qu'à minuit, on va atteindre 30 morts? C'est vous qui voyez, hein. Ça fait 2h30 qu'on joue, et que je fais des pauses et que je parle. 2h30 qu'on joue, et je suis mort 20 fois déjà. Ça vous donne une idée. Est-ce que je vais mourir encore 10 fois avant minuit? Pariez, les amis, hein. La mort de l'inattention. Mais en fait, j'ai sauté sur le bocal. J'ai presque cru que c'était scripté, Sporgy, mais. Mais voilà. Enfin, je dis 10 fois, mais on est déjà à 21 du coup. J'ai cru que c'était scripté. À Dead Space, ça va être trop bien. Vraiment, j'ai trop hâte. T'es mort combien de fois depuis le début? Eh ben, du coup, voilà. 21 fois. Et dans le premier jeu, je suis mort 64 fois. DLC compris. Juste le genre lui-même, j'étais mort 35 fois et le reste, voilà. J'aime la façon avec le tu. Oui, c'est sympa. En vrai, il y a des chances. Mais en même temps, ça se peut que non. Le pari d'avant, mec, écoute-moi bien, Barbe Blanche. Le pari d'avant, c'était jusque 23h. Ok. On a terminé le pari à 23h et je suis mort la fois de plus à 23h30 secondes, quoi. Qui faisait que le pari était gagné pour ceux qui pensaient que j'allais mourir. En bref, t'as compris. Si je me décoche, je gagne quand même. Ouais, Capix. Ouais, tu peux parier et. Ton pari est pris en compte, même si tu décoches. Ah, mais c'est obligé!
Elle est conne si elle ne regarde pas. Elle est conne si elle regarde pas là où je suis. Ok, elle est un peu conne. Je vous jure qu'elle met des... Je vous jure qu'elle met des claques sur le cul d'un enfant en bas. Je vous le dis. J'ai entendu le petit zombie. Oh là là. J'ai esquivé le bocal. Ah, je crois que je devrais me balancer, ça va, ok. Putain, c'est oppressant le bruit de la claque là, oh là là. Ah oui, il y a du parcours dans ce jeu en général. Hein. Oh là là, on va devoir se dépêcher, vous allez comprendre, on va devoir se dépêcher. Oh, il y a une poupée ici. On va pousser la planche et on va devoir courir en face dans le trou très vite. Go, 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 go! Ok, tout va bien. Ah ouais, non, ah grave, ça me dégoûte, mais ouais, c'est ça. Quand on y repense, à l'époque, c'était légal. Ouais, ouais, à une époque, c'était légal de mettre des grosses gifles à la latte dans les fesses des élèves. C'est pour ça qu'on dit se faire latter les fesses, littéralement. Heureusement qu'on n'a pas vu la scène, parce que ça claquait vraiment fort. Hein. Le pari se termine maintenant. Vous les pariez avant, ceux qui n'ont pas parié. Sur quelle plateforme? Là, je suis sur PC, mais il est partout. Hein. C'est un petit jeu facile à faire tourner, donc... Alors... Je peux aller au-dessus ou pas? Non, on va descendre, alors. Il faut pas que je fasse de bruit, hein. Putain, elle respire horriblement. Faut que je marche sur les tapis. C'est évident. Ok, c'est bon. Ça a pas fait de bruit, apparemment. Il y a l'échelle. Mais est-ce que je vais directement par là? Est-ce que je peux me cacher là? On pourrait se cacher ici. Enfin, se cacher... L'échelle, je peux la bouger aussi. Faudrait que je la bouge pour aller là-bas à l'échelle. Mais ça va faire du bruit. Ça, vous êtes prêts? Qu'il y avait un chapeau planqué, hein, par contre. Oh, il y en a un, il y a un chapeau planqué. Attendez. Attendez, il y a un chapeau planqué. Putain, mais c'est ouf, quoi. Je me demande si j'en ai raté ou pas, pour l'instant. Parce que je vous rappelle, mon personnage, il a des déguisements. Et il y en a un juste là, là. Ça, là. Je deviens fou, arrête. Je vais essayer de pas trop mourir, Barbe Blanche, à tout à l'heure. Je mettais des claques au calme. Ah ouais? Ça, j'ai pas connu. Hein. Un prof qui me mettait des claques, j'ai pas connu. Ou alors, j'ai oublié. J'ai reçu regardez, une petite boîte de conserve. Ça nous protégera la tête. Regardez, j'ai une boîte de conserve sur la tête, mais non. Doucement! Est-ce que mon chapeau fait du bruit, du coup? Mais j'avoue, c'est honteux, ça. Hein. Mais voilà, hein, c'était comme ça. Je crois que mon chapeau fait du bruit. Je crois vraiment que mon chapeau fait du bruit, les gars. Je me cache où? Je me cache où? Je me cache où? Je me cache où? On trace. On se cache pas, on trace. Je devais passer entre les livres. Ok, bande de barres.
effectivement une figurine de le prof. Une figurine de elle là? Ah, je sais pas si j'aurais envie de ça. Ah, elle est juste là. Ah, je sais pas. Oh putain, oui, c'est vrai, faut courir. Oh putain. Mais quoi? Ah non, mais attends, je peux pas aller plus vite que ça. J'ai gardé la touche courir. Oh, j'ai gardé la touche courir. C'est quoi cette histoire? 23 morts. Léon. Tu peux baisser le son du jeu, s'il te plaît? Je pense pas que je vais le baisser. Tu peux baisser le son chez toi, si tu veux. C'est bien, on a tous bien peur, là. C'est vrai que ça va fort, hein. C'est vrai que ça va fort, là, mais c'est ça qui est bon. Je suis désolé, Toto. Mais grimpe! Oh, je suis désolé, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je taille autant? J'ai tellement bien voté teint, tu l'as senti. Attends. Pour grimper, je grimpe et puis j'avance. C'est tout. Ok, alors pourquoi ça a bloqué? Mets-toi dans le noir. Mais si je me mets dans le noir, vous voyez plus rien. Ah, hein. Je peux me mettre dans le noir, moi. Ça fait trop peur là. Alors là, j'avoue, là ça foutait grave les boules. Alors là, vraiment, là j'avoue, ça foutait les boules. Oh putain. Alors là. Bon, je rallume quand même, non? Rallume quand même. Je retourne ma veste dès qu'il s'agit d'argent. Putain. Bon. Alors, où est-ce que je dois me mettre exactement? Ah, c'est stressant, je vais sans doute crever encore une fois. Là, j'avoue, c'est chaud. Je reste mes risques de mort. Ah mais stop! Waouh, je me suis mis au bon endroit. De toute façon, à mon avis, Nat, on arrêtera après ce chapitre-là pour aujourd'hui. On va pas commencer à faire des méga streams de 1000 heures pour la reprise. Oh, c'est stylé de ouf, par contre, bordel, qu'est-ce que c'était stylé! On en parle de ces tours de livres. Ça me dit, mais what the fuck, hein? D'où ça sort, ça? Pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est pas la première fois qu'on escalade des tours de livres, hein? Pas de cette façon-là, mais dans le premier, il y en avait aussi, hein? Par contre, c'était vraiment bien foutu. C'était vraiment stylé. Genre, vraiment stylé. J'ai kiffé. J'ai trop kiffé. C'est peut-être pas une priorité à stream ce jeu. Pourquoi? Ça te fait peur maintenant? T'as plus envie? Attends un peu, pourquoi j'ai une cachette là? Je vous rappelle que ma petite copine dans le jeu s'est fait kidnapper. Ah, la caméra veut pas que j'aille par là apparemment.
Donc ça doit pas être par là. À part la porte là, on peut... Il y a une étagère là. Non. Merci Georges Lebot, dit... Oh, Georges Lebot qui a toujours les mots justes. Vous vous rendez compte qu'elle a pris cette porte et on y va là. À nouveau une poubelle en feu, mais c'est quoi ces conneries? Donc vous avez entendu, hein, quand on finit ce chapitre, on s'arrêtera pour ce soir. Et du coup, je pense qu'il nous restera encore deux autres chapitres, je pense, hein. Deux autres chapitres et le DLC qui, je sais pas combien il fait. On verra bien. Du coup, moi, le premier jour, on avait fait trois streams dessus, il me semble. C'est vrai que moi aussi, je fatigue. Hein, j'ai plus l'habitude hein, des streams tard. Je dis ça, mais le dernier stream qu'on a fait avant ma pause... Jusque 6h du matin. Jusque 6... Il brûle des livres, en fait. Ok, on a un cadenas. On a un cadenas. Je suis dans le noir, je vous laisse imaginer. Mais c'est trop bien, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit, mais chaque fois que je fais un jeu d'horreur, je vous le dis. Hein. Si vous voulez vraiment suivre le stream et regarder et vraiment passer la soirée avec moi, avec nous, mettez-vous en condition quand on joue un petit jeu creepy ou un jeu d'horreur. Installez-vous au chaud. Diminuez au max les lumières. Laissez une petite lampe dans un coin de la pièce. C'est pas bien de regarder un écran dans le noir. Mais mettez-vous dans l'ambiance. C'est ce qu'il faut faire. Et Grant, j'ai vu ton message. Ouais, le jeu fait pas hyper peur. Enfin, c'est un jeu creepy, quoi. C'est pas de l'horreur comme Dead Space qu'on va faire bientôt, par exemple. Manapsi, ça va bien et toi? Merci de passer pour ma reprise. Ça fait plaisir, Maneps. Bon, attendez, je me mets deux secondes comme ça pour pas spoiler Manapsis. Ça, je bouge plus, là. C'est bien, t'arrives au bon moment, parce que là, tu feras pas spoiler d'un truc. Oh, salut. Je peux faire de la pub? Ouais, vas-y, Natalia, fais de la pub. Vas-y, dis donc. Vas-y, vas-y. N'hésite pas. Ah, pour Colifla, en plus. N'hésite pas, hein, bien sûr. Vraiment un boss, écoute, Benepsis. Hein. Ah. Bah écoute, ma reprise se passe plutôt bien. J'ai beaucoup discuté en début de stream. Genre une heure, un truc du style. Et là, le jeu... les Little Nightmares, je te les conseille. D'ailleurs, mec, sur ton PC, ils tourneront d'office. Et bien, je pense. Donc voilà. Là, ma VRAM, elle est à 55%. Et mon CPU, il est à 26. Enfin, il varie, 26-30. Et tout est à fond dans le jeu. Alors, je sais que c'est moi, c'est mon PC, mais c'est pour... Voilà, il tournera bien sur le terrain quoi qu'il arrive, et en stream, c'est très chouette. Non, je sais que t'aimes pas les jeux d'horreur. Mais je pense que les Little Nightmares peuvent être une bonne entrée en matière, parce que c'est plus des jeux creepy que des jeux d'horreur. Tu vas te chier dessus, quand même. Menepsis, je te le dis. Mais ça peut te plaire. Ils l'ont donné à un moment... Je pense qu'ils l'ont donné, ouais. Ils l'ont donné, je pense, quelques mois après que je l'ai fait, je crois. Donc, let's go. Let's go, let's go. Vraiment, en stream et tout, en plus, c'est chill. Il y a des énigmes, alors les gens pourront peut-être aider s'il faut. Et... Non, c'est chouette. C'est très détente. Et enfin, c'est très détente. Tu vas te pisser dessus, vraiment, mais tu vas aimer. Bon, Colifla, il faut pas, c'est normal, hein. Nathalie a envoyé le lien de la chaîne Twitch de Colifla dans le chat. N'hésitez pas à les follow si vous voulez soutenir un petit peu. Nouvelle streameuse qui débute. Enfin, je pense que tu débutes, hein, ça fait pas longtemps, hein. Hey, Sporgy. Ciao, ciao, à la prochaine, et à bientôt, et on se dit quoi, hein, tu m'as envoyé un message, il me semble, donc j'irai dire ça, ça va? Salut, hein. C'est cool que tu sois passé, ça fait plaisir, bye bye.
Le pire, c'est les screamers. Les screamers, ça s'écrit... Screamer. Comme ça. Tu bouges aussi, Gran. Des bisous, Gran. Merci à toi d'être passé. Courage pour le taf. Courage, courage. Bisous, bisous. Mais tout le monde croit que c'est fini, là, ou quoi, là? C'est pas fini, là. Regardez, je suis dans le jeu, là. Je rigole, hein. Allez-y, hein, ceux qui y vont. Des bisous. Merci d'être passé, hein, pour la reprise de mes streams. Gran, ça me fait vraiment plaisir. Hein. De la prise de ressources. Souci de son qui... Mais envoie-moi un message. Souci de son, ça fait presque saucisson. Hein. Attention. Hein. J'aime bien les ambiances glauques et l'horreur psychologique, mais les screamers, j'en suis... Attends, est-ce que j'ai bien écrit screamer? Oui. Les screamers, j'en suis allergique. Est-ce qu'il y a des screamers dans ce jeu? Ah, tu vas être saisi, ouais, mais c'est pas du screamer... Genre, ça apparaît sur ton écran pour te faire peur, en grand, juste à la con. Non. Mais tu vas flipper, je te le dis. Hein. Tu vas flipper. Bon. Menebs, on va continuer doucement. Hein. Regarde, il y a des petits chapeaux. C'est pas du spoil, ça. Il y a des petits chapeaux. Je sais pas, moi. Non, on va garder ce chapeau-là. Hein. On va garder celui-là pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de vrai screamer. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Hein. Tu as des jouets de stream? Quoi? Tu as des jours de stream. Oh, mais mais de rien, Coliflin. Je pense pas qu'elle ait déjà un horaire fixe, tu vois. Après, peut-être qu'elle a déjà des jours de stream, ouais. Menebs, je vais avancer tout doucement. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être rien, mais peut-être quelque chose. Après, si tu vois un petit truc, c'est pas la mort, je pense, mais comme ça, tu sais. Mais je suis content que tu sois passé quand même dire bonjour, c'est cool. J'ai été étonné, mon vieux, hein. Étonné du nombre de gens qui sont venus pour la reprise. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, Roman. Je m'attendais à ce qu'il y ait plein de monde, comme à ce qu'il y ait une personne, tu vois. Et c'est chouette. Là, je ne cache pas que j'ai un peu peur. Hein. Un plaisir, mon vieux. Prends soin de toi, hein. Prends soin de toi, hein, mon vieux Menebsis. Et vraiment, merci d'être passé. Des bisous, des bisous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète, c'est pas du spoil, c'est un détail, ça. D'ailleurs, Natalia, envoie un petit wow à Menebsis, là. Envoie sa chaîne dans le chat. Menebsis, un poteau à moi qui stream aussi. Il m'a donné les premiers conseils quand j'ai lancé ma chaîne, parce qu'il connaissait déjà un petit peu le milieu. Donc voilà, n'hésitez pas à les follow et voir un peu ce qu'il fait. Il est gentil. Et il fera peut-être les Little Nightmares un petit jour. Mais lui, il va... il va se cacher. Merci, Nat. Merci, merci. Allez, on se replonge un peu dedans. Oh, il y a un pion d'échec. Donc c'est un pion et ça c'est une reine, c'est ça? Non, c'est un... Mais non, je suis con, c'est une tour. Ouais, ça fait quoi? Ah! Hop là. J'attends la porte qui... Le fer rend pas bien. C'est en pause, hein, c'est pas la folie de mon côté, désolé. Ah, mais tracasse, hein. Tracasse, faut jamais se forcer, tu le sais, hein. Tu le sais, donc c'est bien. Cœur sur toi, mon vieux. Tu as fait Little Nightmare 1, tu l'as trouvé comment? Bah écoute, j'ai surkiffé Little Nightmare 1. J'ai même fait le DLC, dis-toi. J'ai vraiment surkiffé, donc pour l'instant, je suis dans mon élément, j'ai l'impression que c'est le même jeu. J'ai l'impression que c'est la suite directe, tu vois. J'ai pas eu d'attente entre les deux, moi j'ai découvert cette année le premier. Et voilà. Écoute, Blebura, je passe ma petite... Je place ma petite pub pour YouTube, parce que j'ai une chaîne de replay, et il y a tous les épisodes, il y a tous les chapitres, en fait, et les chapitres du DLC sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ils sont sur la chaîne... Il y a deux chaînes. Il y a la chaîne de replay, c'est là que tu dois aller si tu veux, si ça t'intéresse. Et j'allais dire oui. Les vidéos sont sur la page principale, en plus, de Little Nightmare. Donc voilà. Si jamais ça t'intéresse.
Ok, on va devoir placer les pions, hein. Rien de bien compliqué, je dirais, là. Dans l'immédiat, hein. Mais on a vu qu'il y avait un petit bonhomme attaché. Il est attaché comment? C'est le roi. Est-ce qu'il est vivant ou pas? Mais attends, je vais devoir le détacher. Je vais devoir le détacher, en fait. Pas, attends, 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 attends. Non, en fait, je vais pas devoir le détacher, attends. Ah non, c'est bon, c'est le roi noir, ok. Blanc, et là, on mettra le... On va chercher le... Oh, l'ambiance est top, ici. L'ambiance est top. On active son cerveau. T'as vu, ça, ça va. Ça va, Kaio. Disons que... En vrai, c'est genre l'endroit où tu pourrais louper ce truc-là, mais c'était tellement obvious la lumière que ça va, tu vois. Mais si j'avais loupé ça, j'aurais fait, alors attends, avec les pièces, qu'est-ce que je dois faire? J'aurais peut-être mis une heure. Mais bon, on l'a vu, tout va bien. Skyrim, Hades, et c'est quoi l'autre jeu qui fait Menepsis? J'oublie le nom. Aïe. Il y a même un emote Twitch officiel. J'oublie le nom. Bon, je crois qu'il est attaché, qu'il va jamais m'attaquer. Hein. Il va jamais m'attaquer. Je pense, en tout cas. Re-Guillaume ! Ça se passe. On a 24 morts, par contre. Mais ça se passe plutôt bien. Attends, je dois pas retourner, là. Et toi, comment ça va depuis tout à l'heure ? Ah, il faut que je grimpe en haut. Alors, je lis à moitié le chat, parce que je suis plutôt... Là, je suis à fond dedans. Ah putain, je sais ce que je dois faire. Oh là là. Si je m'approche de lui, il se passe quoi? Je meurs? Bonjour. C'est bon, il est bien mort. On doit prendre ça pour grimper. Regardez. Par contre, j'ai envie de changer de chapeau, mais non. Je vais le mettre celui-là. Hop. Hop. Et voilà, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Hop. Ok, ok, ça se passe bien, ça se passe bien. L'énigme est toute conne pour l'instant. Je sais pas s'il y aura un truc subtil en plus ou pas. Ça là, mais il manque un pion blanc en fait. Ça, mais ça là. Il manque un pion blanc. Alors j'ai débloqué quelque chose. Et sachez-le, les armoires, elles ont des roulettes. Les armoires, on peut les pousser. Ça a peut-être rien à voir avec ça. Par contre, je peux grimper là et voir ce qui se passe ici. Je vais vous lire, hein. Je vais vous lire, les amis. Je préfère me focus un petit peu là-dessus. Il se passe quelque chose, là? Mathis. Ah. Jason, salut, comment ça va? Les vacances a été, j'imagine, vu sur ton Insta. C'est vrai, t'as un peu revu sur Insta, toi, Jason, c'est vrai, juste. Bah écoute, tout va bien. La reprise se passe bien, je suis content, une petite pause Twitch, ça fait vraiment du bien. Mais là, je suis de retour, je suis chaud et j'ai plein de jeux en tête. Et je suis trop content de tous vous voir. Hein. Je vous le dis, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais pas arrêté les streams. Presque tout le monde est passé aujourd'hui. Donc, gros cœur sur vous. Gacha, qui observe dans son coin. Ah non, il a quand même dit bonjour, Gacha. Ça va bien? Les énigmes de ce jeu ne sont jamais trop compliquées, de toute façon. C'est vrai, mais c'est déjà arrivé que je reste bloqué. Tout à l'heure... Oh, la musique. Tout à l'heure, on a un petit peu tourné en rond. C'était pas compliqué, mais on a quand même tourné en rond. En fait, des fois, ce qui est bien dans ce genre de jeu, c'est que une énigme simple va peut-être être... Enfin, tu peux peut-être passer à côté de quelque chose, alors que c'est simple. Tu vois, c'est pas du vrai... C'est du... Enfin, je trouve pas les mots, en fait. Mais j'ai compris. Le roi noir et la reine blanche, non, racisme. Mais... Qu'est-ce que... Ça a rien à voir avec le racisme, qu'est-ce que tu parles? Oui, il me perturbe quand même.
Bah ça me fait plaisir, Kaizen. Horizon Zero Dawn. Attends, c'est toi qui joues à Horizon Zero Dawn, Kaizen? Ou je confonds et c'est quelqu'un d'autre? Je crois que c'est quelqu'un d'autre. Et la clé, c'était pour où? C'était pas pour ici. C'était... Ça doit... Oh, c'est dommage, ça a coupé la musique. Toto, merci d'être passé sur le stream, ça fait plaisir. J'espère que t'as pas eu trop peur. Des bisous et à bientôt, hein. D'ailleurs, je l'ai pas du tout rappelé de la soirée. Mais demain, on fait du Zelda, donc changement d'ambiance. Hein. Changement d'ambiance, mais on continue. On a presque fini Zelda Link Awakening. Je sais pas exactement où on est, mais on est à la fin. Ah, j'ai glissé, hein. Je me disais, tiens, c'est bizarre, je passe à travers les barreaux là, non? C'est honteux! C'est honteux! Une belle 25e mort, ouais. Putain, je vais rechercher la clé. Wow! Waouh! Aïe aïe aïe, la fin de la fin de la fin de la fin. Oh, on a la fin, on est au début de la fin, donc c'est pas encore la fin de la fin, je pense, hein. Alors, dans Genshin d'ici quelques mois. Oui, j'ai vu ça. Mon père l'a fait. Ah, bah oui, mais du coup, c'est Monsieur K qui a fait. Qui kiffe. Qui kiffe à fond. Voilà, c'est chaud la perspective là. Je me suis fait perspective aide. Hein. C'est Monsieur K qui kiffe Horizon Zero Dawn. Il y a ça qui est prévu. Et le Trackmania qui est prévu pour le tournoi de BFX. On va faire des maps. Il y a Dead Space qui est prévu. Et. Ah oui! Je vous l'ai pas dit, mais bon, ça sera pas tout de suite, hein. Mais fin août, il y aura du Super Mario Maker 2. On va faire des niveaux de Mario avec mon frère. On a fait ça à fond pendant les vacances. Ils étaient trop cool. Oh putain, on arrive dans le. Oh non! On arrive à la cantine. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Oh, on va voir. Oh, ça va être incroyable. Les roues n'ont pas l'air de rouler là. Et mal fait le jeu là. Remboursé, dis donc. Retombe pas. Non, attends. Ericsson, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Tu vas rager. Ah ouais, je vais rager? Me dis pas, hein, me dis pas, me dis pas. Hein. Ah ouais, mais j'aime pas les cantines d'école, moi. Je déteste. C'est sale, ça. Putain. C'est sale, il y a du bruit, ça pue. Il y a trop de gens. Attention. Oh non, on arrive dans les cuisines. Je croyais qu'on serait au plafond, sur les lampes ou quoi, en hauteur. Là, je vais aller au niveau du sol, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Oh, on aura peut-être des cuisiniers. Comment je passe là? Comment je passe? Attention, on va devoir le tuer très vite. Attention, attention. Hop! Putain de merde, il s'arrête tout le temps avant de sauter. Il y en a un troisième. On a 26 morts. Je vous rappelle qu'à 30 morts, le pari sera perdu. Pour ceux qui croyaient en moi. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Je m'écoute du tout. Ça va bien se passer. J'avais avancé pour tout le monde. Je vais me focus. 27. Je disparais et je me concentre. C'est vrai que là on en voit un. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un en haut.
Est-ce qu'il y en a encore un autre? Est-ce qu'ils sont quatre? Eh, c'est chaud en vrai, hein. Mais c'est impossible! Eh, mais c'est chaud parce que. Non, non. Restons calmes. C'est un peu complexe parce que. Quand il me fonce dessus, il s'arrête un peu. Enfin, le timing est compliqué. Et chez Gold, ben oui, attends. J'avais raison, tu vas rager. Ah ouais? Moi, je rage pas. Moi, jamais de la vie, j'ai ragé. Bon, le timing. Le timing. Ah, c'est compliqué, hein. Je pense que je vais crever, hein. Mais oui, trop content que tu sois passé, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais essayer de pas trop crever, mais on est déjà à 28 morts en un seul soir. Mais je suis mort. Vous vous rendez compte que pour le premier, je suis mort 35 fois en tout dans le jeu de base. Là, je suis déjà à 28 dans le jeu de base. 28. C'est beaucoup. Putain, je sais pas. C'est si dur que ça ou quoi? Mais. Léos, il va être content. C'est qui croit en moi là dans le chat? Oh là là. Eh, mais c'est. C'est dur. Ah, je vous jure, c'est dur. C'est compliqué. Hein. Vous savez quoi, tu crois en moi ou pas toi? Le 1, je sais plus. Le bleu. Non, mais alors. Attends. Alors, ok, bon. Le pari, c'est terminé. Comment ça marche là? Parce que. Enfin, non, les autres fois, je l'ai pris, j'ai frappé. J'ai quoi? J'ai fait. J'ai... Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais plus c'est qui que je vais décevoir, mais je vais en décevoir. On a 30. Kayoki, si tu m'entends, si tu dors pas encore, Kayo, tu peux distribuer les points. Ou au pire, je le fais, hein. S'il faut, Kayo, si tu m'entends. Tu peux me dire et je le fais, hein. Ça me dérange pas. Hein. Et si je descends doucement, genre. On fait un test, hein. Nul que ça ou quoi? Bonjour, tiens, 31. Attendez, j'enchaîne. 31. J'ai sauté avant, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé de touche. Ça va être cool. Ah, ça va être cool. Ok, on est à 31. On a 31, désolé, on a 31. Bloup, bloup. Pourquoi j'ai parlé? Je vais vous donner le pari, là. Pardon, j'avais pas vu les morts. Ah, mais t'inquiète. Non, mais justement, Ok. Je t'appelais pour voir si t'étais encore là, mais en mode no stress. Si t'es là et que t'es dispo, vas-y, tu clôtures le pari. Sinon, c'est pas grave. Sinon, tranquille. Je sais pas si on lance un pari encore, je crois que pour ce soir on n'en relance pas. Vous voulez un pari ou pas le chat? Est-ce que ça vous dit un dernier pari pour ce soir ou pas? Je sais pas si c'est nécessaire.
oppressant de dingue, c'est vraiment hyper oppressant. Là, j'aurais pu mourir, là. Là, j'aurais pu mourir. Oh, dommage, ça aurait été incroyable que je meure là. Pas que mon casque il se casse hein. Lui au-dessus là, ça va pas casser sur ma gueule ça? Oh, putain, comment il se fait bolosser l'autre? La lampe elle va tomber, je le sens. Non? Oh, c'était oppressant de dingue. Guillaume, des bisous. Cœur sur toi, merci d'être passé aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment, j'insiste. J'ai gratouillé Neko. C'est quoi, Neko? C'est quoi, Neko? Ton animal? Hein? Laissons-les se refaire de la thune, on est d'accord. J'en ai pas, je viens d'arriver. Écoute, la prochaine fois, on refera des paris. Sans faute. Oh, putain, ça m'a foiré. Quelle oppresse. Oh là, quelle oppresse. Quelle oppresse. Je souffle, hein. Je souffle de fou. Je suis allergique au chat, moi. Kaoki. Je suis allergique au chat. Y'a pas un chapeau? Attends, attends. Y'a un bouton, là. Là, je pourrais jeter un objet dessus pour ouvrir la porte. Mais on va essayer de grimper au-dessus. Ça, c'est trop grand, ça, c'est trop lourd. Non? Mais il s'est pas cassé, tiens. Le bouton, là. Ouais, il s'est cassé, hein. Non mais barre-toi, oui, il tombe. Un chapeau. Mais j'aime bien les chats en plus. Le ragdoll des objets. C'est quoi ragdoll encore? J'ai oublié ce que ça voulait dire. Dans le monde du gaming. Oh putain. Oh, il y a un cerveau dans le bocal là-bas, on va le casser, vous allez voir. Oh mais les gars, il y a un cerveau dans le bocal. Et c'est le cerveau qu'on va devoir lancer pour ouvrir la porte. Physique. Bonne Natalia, qui offre un abonnement à Kaoki? C'est beau faire. Merci Natalia, c'est trop gentil. Merci Nat pour le sub offert pour Kaoki. Vraiment, merci beaucoup. C'est trop gentil. Oh putain. Il va tomber ma manette là. C'est trop gentil. Un ragdoll, c'est une race de chat. Ah ouais? Je connais le ragondin, moi. Jurassic Park, et ouais. C'est pour Neko surtout. Le sub, c'est pour Neko, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu crées un compte à Neko, Kaoki, et puis on re-offre un sub à Neko. Bon, le cerveau, c'est parti. Bon, il n'y a pas de truc caché ici. Hein. Comment je peux descendre sans... Je suis obligé de tout me retaper. Ah, ils font du bruit, mais tellement à crever. Comment je suis monté là? Ah, je me suis balancé. Attends, tente un truc. Oh putain. Non!
Eh ben, j'ai sauté, Kaoki. J'ai sauté. Oh non, je dois vraiment grimper le cerveau et tout, là. Ça va, c'est le spectacle. C'est le spectacle. Tenter des choses dans la vie, vous savez. Enfin, dans les jeux, parce que dans la vie, il vaut mieux pas tenter ce genre de choses, mais... Mais, grimpe! Ça a sonné juteux. Oui, ça a sonné juteux en bas, c'est exactement ça. Quel enfer. Ah, désolé, Barbe Blanche. Ah oui, t'as perdu le pari, toi, tu croyais en moi, non? Attends, je sais plus c'est quel pari, en fait. Je sais plus. Là, ici, y a plus de pari, donc tout va bien. Hein. Là, je peux mourir, là. Là, je pourrais sauter, mais non, si je voulais. Oui, on l'a entendu aussi, le scr... Ouais, c'est... Ouais. Ouais, ouais. Je crois que ça passait pas. Ah oui, c'est par là que je devais descendre, en fait. C'est par là. Leios qui offre un abonnement à Psychotique. Tiens, ça va faire. Merci Leios. 17e abonnement que tu offres ici, c'est énorme. Leios, t'es le bro. Merci du fond du cœur. Merci mec. Merci Leios. Écoutez le bruit de cerveau. Hein. Ben ouais, il écrit, c'est offert, cet utilisateur a offert 17 abonnements. C'est beaucoup. Hein. Sachant que t'es le premier. Tu m'as offert un abonnement au mois de novembre 2019. C'est le mois où je suis devenu affilié. Je suis devenu affilié et quelques jours après, t'as offert un sub, genre. Et ouais. Et ouais. Le con, il a rendu à 20. Franchement, j'aurais dû le voir venir de ouf. Je l'ai pas vu venir. J'aurais trop dû le voir venir. Sub offert. Vas-y, je suis gêné. J'ai plus l'habitude, là. Merci. Merci, Leios. Après, bon, tu peux considérer 20 comme un chiffre rond, un nombre rond, mais tu peux aussi... Enfin, 20, tu sais... 25, c'est un quart de 100. Là, on en a un cinquième de 100, ouais, c'est... Ouais, ouais, je sais pas. J'essaie de trouver des trucs, mais... Je trouve pas. Leios, c'est énorme, c'est vraiment énorme, donc vraiment, merci. Merci beaucoup, parce que c'est beaucoup. Content qu'après tout ce temps... Tu as encore l'envie... Parce que, attends, parce que parlons-en, en vrai. Après tout ce temps, t'as toujours envie de soutenir. Parce que, je vous jure, les gars, la première fois qu'il... C'est comme ça que ça marche sur YouTube, sur Twitch. Arrête, après, les gens, ils vont gratter des subs. Non, mais c'est pas... Il fallait pas. Il fallait pas. Tu montres le mauvais exemple. Regarde. Après, les jeunes dans le chat qui veulent se mettre à streamer, ils vont aussi gratter des subs aux gens. Ils vont, après, ils vont streamer, ils vont dire oh, offrez des subs et tout. Ah, que ça marche normalement. Mais. 10 ans, peut-être que. On va pas tenter le diable. Hein. Merci Leios, vraiment, vraiment, c'est énorme. Et il a juste dit ok en plus. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Il pleut des subs, ouais, non, Leios, c'est énorme. C'est énorme pour Pandamas, en plus, je vois. C'est génial. C'est génial. Merci, mec. Je sais pas à combien on est. On était à 41, du coup, je crois que ça va monter à 46, du coup. Ce qui est beaucoup de subs, vraiment, surtout quand on fait une pause comme moi, donc... merci. Merci, Leios. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment... je sais plus quoi dire. Même mon petit chat, il a eu un sub. Ton petit chat? Ah oui! Oui, oui, ton pote, oui, juste. De rien joue. Ok, c'est bon. C'est ça que je voulais entendre. Leios, t'es juste troll boss. Pour toi, je suis prêt à sauter dans le vide, hein, mais y a pas de pareil, donc tu gagnes rien. Donc, par contre, on va tenter ça, là. Regarde. Putain, j'ai réussi. Oh. Merci, Leios. Je pourrais le dire encore plein de fois. Hein. Merci, merci. Merci, Leios. Tu veux du cerveau? C'est pour me remercier en fait parce que j'ai pas donné ton nom, ton pseudo à l'escargot dans Ark, hein, il me semble. On prend le cerveau avec. Hein.
Mais Kozenji ! Je suis là, j'observe dans l'ombre. Délicieux. Je peux pas le manger en plus, c'est dommage, hein. Tu portes le big brain ? Oh non, pas cette histoire. Ah mais t'inquiète, justement, au final, ça c'était bien fini pour toi. Attends. Oula, attends, attends, ça rigole plus, là. Attends, attends, je vais poser le cerveau. Attends, c'est là. Ok, là, ça rigole plus. Ça aurait été génial d'en faire un chapeau, putain. Oh putain, c'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Ah, elle marche tellement bizarrement, elle... Je peux y aller direct ou pas? Ouais, j'y vais, 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 j'y vais. Leios, t'es le boss. Leios, t'es le boss. Leios, c'est le boss. Poète, poète, Leios, poète, t'es boss. Doucement, doucement, doucement. Elle me voit, je suis mort, hein, je vous le dis. Elle me voit, je suis mort direct. Il n'y a pas de fuite. On ne fuit pas. On ne fuit pas cette saloperie. Ah non, je dois grimper sur le comptoir. Là, je peux grimper, là. Bon, alors, je passe là. Attends, c'est quoi l'embrouille, là? Y'a pas d'embrouille, c'est facile? Ok. Je vous ai dit, quand on finit ce chapitre, on se dit au revoir pour aujourd'hui. Il faut pas que je touche les meubles, sinon ça va tomber. Putain, regardez à la fenêtre, là. Comment je l'accède? Comment j'accède à ça? Je dois sauter de bureau en bureau et sauter à la fenêtre. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que je dois grimper au-dessus et sauter jusqu'à la fenêtre? Si c'est ça, c'est complexe. Hein. Et c'est d'office ça. Pouah, ça va être complexe. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut grimper là où j'ai vu au début. Oh, ça va être complexe. Oh. Oh. On va grimper là, regardez. Pour ceux qui débarquent et qui l'ont pas encore vu en action, elle est horrible, hein, la meuf. Là, on dirait juste une vieille dame. Il faut que je me cache à l'ombre. Mais il faut pas que je touche les bocaux. Si je les touche, ils tombent. Et s'ils tombent, j'y fais du bruit. Attends, attends, attends. J'aurais dû y aller, j'aurais dû y aller, j'aurais dû y aller. Putain, easy la phase, on la passe, easy, ça, on la passe, pardon, easy, ça fait plaisir. J'ai trop parlé. J'ai raté le poteau, j'ai pris le poteau, j'ai pris le poteau. Elle m'a pas vu, pardon. J'arrête de crier, hein. J'ai pris le poteau, j'ai pris le poteau. Eh, j'ai eu de la chance, d'être dingue. Normalement, tu peux faire une glissade en courant, en t'accroupissant, et j'ai cogné la chaise, quoi. La panique du poteau. Ah, je dois grimper là, ouais. Je jure, j'étais pas bien. J'ai les fesses qui applaudissent. Natalia! Oh, sweetness, mais c'est trop chouette. C'est trop gentil, Natalia dit. Natalia, merci. Car c'est bien. T'as rendu aussi. Merci, Nat.
Merci. Merci. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est trop gentil. C'est trop gentil, Nat. En plus, mon sweetness, ça fait plaisir. Tu sais quoi, sweetness, je regardais un live de Zerator, figure-toi. Je regardais un live de Zerator, je l'ai vu popper dans le chat. Voilà. Je lui ai juste dit bonjour, mais je trouvais ça marrant de la croiser sur le live de Zera. Pendant qu'il jouait à New World. C'est sweet, quoi. Bah oui. Merci beaucoup, dit. Pourquoi tu grimpes pas? Elle grimpe? Vous m'avez rincé, là. Niveau sub, c'est trop gentil. Pour le retour, ça fait plaisir. Vous vous rendez compte qu'on est... Ah bah, je crois que grâce à ton sub, on va arrondir à 50, là. C'est énorme. C'est énorme. Allez, on avance un peu. Je dois tomber, là. Allez, hop. Ish. T'as eu 11 subs en plus. En tout, aujourd'hui, j'en ai... Oh non... Elle prend le marteau. On a un problème. J'arrive pas... Il veut pas prendre le marteau. On a un vrai problème, là. C'est pas une blague. Le jeu bug, je crois. Regardez bien les bras de mon personnage. C'est la touche attrapée. Il prend pas le marteau. C'est pas le premier bug qu'on croise, hein. Je me rappelle pas qu'il y avait des bugs dans le premier. Là, je peux... Je suis obligé de ramasser le marteau, en fait, pour les frapper, eux. Je suis obligé. Dites-vous bien ça. Donc, il y a un problème. Donc, Ah voilà, c'est bon, là c'est ok. Aujourd'hui. Ouais, j'aurais dit plus, moi. J'aurais dit plus, tiens. Avec les resubs et tout. Je sais pas. Après, t'as dû regarder, t'as dû avoir l'œil. Là, dans le 2, c'est chiant, mais je sais pas trop pourquoi. Ben ouais, c'est bizarre, hein. Après, ça va, c'est des trucs qui se règlent, hein, mais... Second poteau pavard, j'ai pensé à ça direct. 3, 2, 1, go. Non, moi, j'y savais pas, ça, mais j'étais pas préparé pour ça. C'est quoi cette arnaque, là? Hop là. T'as marre dans ta gueule. Il est pas censé m'avoir vu. Il était pas censé m'avoir vu, lui, putain. Ça vous fait réagir dans le chat, hein. Hein? C'est ça que vous voulez, en fait, hein. Le live est bugué là. Quoi? Je crois que j'ai tapé le mur invisible là. Putain. J'ai plus le marteau en main, mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire, hein? Je suis à 33 ou à 34? Je
Je sais pas si je suis à 33 ou 34. Je pense que je suis à 33. Putain! À chaque phase comme ça, on va crever un peu? Je suis à 37, mon cul, ouais. Franchement, je fais hyper gaffe en plus. Mais quoi, mais... Je suis à 34 max, hein. Parce que franchement, j'ai noté les morts, hein. J'ai retenu. Il y a un moment, j'en ai ajouté plusieurs d'un seul coup, hein. Ou alors, j'ai fait une faute de frappe. Peut-être que j'ai fait une faute de frappe. Mais je sais que j'ai chipoté à chaque fois, quand même. Mais peut-être que j'ai fait une faute de frappe. C'est impossible. Peut-être de ma mère 37, je suis pas sûr, hein. Sweetness, salut! Ta-da-da. Ah, c'est vrai, t'étais dans l'ombre? Oh, trop cool! Mais oui, Natalia, t'as offert un sub. Putain, c'est dingue que tu sois dans l'ombre à ce moment-là, c'est génial. Ça me fait plaisir, Sweetness. J'espère que tout va bien de ton côté, très cher. Natalia qui a été très généreuse. Ta-da-da. Moi, je sors de ma petite pause Twitch, ça fait du bien d'être de retour. Content que tu sois là, ça fait vraiment plaisir, Sweetness. C'est trop chouette, c'est trop gentil. Bon, je sais pas, moi. Ça m'énerve, ça, je vais devoir on est occupé de compter le nombre de morts, là. Ils sont pas d'accord, hein. 34 morts, encore une, et après, tu dois... Écoute, je vais te faire confiance, Kaizen. Mais 37, c'est beaucoup, hein. Kaizen, je te fais confiance, mais je vais devoir aller vérifier ça après avec la VOD, tu sais. Menko, salut, comment vas-tu? Installe-toi. On débat sur mon nombre de morts, là. Il n'est pas trop d'accord, apparemment. Là, je viens de mourir quelques fois en même temps. Ta-da-da. Oui, ça m'a fait énormément de bien, Sweetness. Je sais pas si toi aussi, tu fais ça de temps en temps, une pause Twitch. Mais ça m'a fait du bien de pas streamer, de pas traîner sur les réseaux, etc. etc. Et du coup, voilà. Mais I'm back et voilà, quoi. Tout va bien. 37 sur Natalia, toi aussi? Ok, on dit 37, alors c'est bon. Oui, Kaizen, il a dit 34, mais de 34 à 37, il se passe quelque chose quand même, hein. Et Infinity, merci à toi d'être passé, au plaisir. Ciao, ciao, hein. Prends soin de toi. Autant que tu sois passé. J'ai de la chance, hein, tous ceux qui sont passés aujourd'hui pour la reprise. Vous avez été nombreux. Bon. C'est vrai que... Ça m'a fait hyper peur. Ouais, je vais vérifier, Guerrio. Allez, je reprends. Elle reprend le marteau. Ok, c'est la guerre, on doit récupérer notre ami là. Putain, je suis. Eh merde, je suis trop une merde, c'est pas possible. Dès qu'ils sont là, je frappe. Oh, je réapparais là, c'est bien. Allez, je me concentre. Il est tard, hein. Moi je suis fatigué, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, j'assume, je suis fatigué. Pour la reprise, hein. On a 4h30 de stream, mais punaise. 38, je l'ai mis. Bon, il y en a un devant, un derrière. Alors, ok. Pourquoi j'ai une page d'internet ici? C'est quoi ça? Ok. Ben, vous rendez compte que... Alors, vous voyez là, j'ai mis le premier jeu, j'ai eu 64 morts. Avec le DLC compris. De base, j'avais 35 morts dans le jeu de base. Et là, je suis déjà à 39 morts. C'est le premier stream dessus. Je pense qu'on... Je sais pas où j'en suis dans le jeu, mais normalement, je dois être à la moitié. Le premier, il avait 4 chapitres, à mon avis, ou 4 ou 5. À mon avis, si ça va être pareil. Du coup, c'est abusé, hein. C'est plus dur, ce jeu est plus dur, hein. Tenter le truc que j'ai dit tantôt pour te faire réussir. Je sais pas ce que t'as dit tout à l'heure. Ah là, c'est une boucherie, là. Là, je me fais défoncer. Hein. Là, je me fais défoncer. On va se concentrer un petit peu. Mais vous vous rendez pas compte que le timing pour les... Par contre, vraiment, hein, le timing pour les frapper, les gars, il est vraiment serré. Hein. Il court et il s'arrête devant moi. Enfin, le timing est serré, je vous le dis. Thank you.
crois que je l'ai. Je crois que j'ai le timing, mais on va voir. C'est pas vrai. J'ai le timing, oui, oui, j'ai le timing. Oh putain. Ce niveau est pas facile. Ouais, non, clairement. Clairement, clairement. Mais ça va aller. Ça va aller, en fait. Là, j'ai déconné, mais ça va aller. Ça va aller, vous allez voir. Regardez, observez. On est déjà à 40 morts, mais c'est fou. Ok. Non, mais c'est hyper chaud. Attendez, retenez, 41, retenez, hein, 41, d'accord? J'enchaîne. Non, mais bordel. Attends, je vais pas crever encore, hein, attends. Timing gelé, quand même, non? Oh! Sweetness! Oh, merci, Di! Merci, c'est trop gentil, Sweetness. Merci pour tes 100 bits. Ouais, les gens ont été généreux pour la reprise ce soir, ça fait plaisir. C'est trop gentil de leur part. Merci, Sweetness. Hein. Ah 42. Mon nombre préféré, je vais le noter. Je vais le noter, on va essayer de pas le dépasser. Sweetness, merci beaucoup pour tes 100 bits. Merci beaucoup, beaucoup. C'est un moment délicat, les amis, hein. Je me suis dit, oh, les 100 bits, ça va me donner de la force. Je suis mort. Instant. Cœur sur toi, suite. Cœur sur toi. Et c'est parti. Les timings sont tellement chauds, je vous jure. C'est impressionnant comme les timings sont très très serrés. Je pensais que je l'avais, c'est pas vrai, ça racisé. Bon, on est à 43, j'avais dit que c'était mon nombre préféré, mais c'est 43 mon nombre préféré. J'ai envie de faire un truc, mais Batasha va me détester. Non, oui, ne le fais pas, ne le fais pas, je vais te détester. M'encourage pas à ça, Psycho. Ok, lui c'est ma bête noire, lui. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que... Attends. Franchement, je suis obligé de vous dire, je suis persuadé qu'ils ont différents timings. Ils ont pas... Ils font pas tous de la même façon. C'est sûr. 44. C'est sûr, ils font pas de la même façon à chaque fois. Mais m'abonner. Pas de plaisir audio qui tienne. En vrai, c'est cool un peu de tryhard. Hein. Moi qui me plains des fois que les jeux sont trop faciles. En vrai, c'est cool. Mais tu vois là, il me saute pas dessus comme l'autre. L'autre, il est vraiment chaud. Je devrais être plus rapide pour l'autre, je crois. Il sera pour moi. Je me pose parce que j'enclenche le petit chrono, parce que je vous donnerai pas une minute gratuite. Non, non, non. Ok. Voilà, j'étais trop vite, mais c'est pas avec moi. Normalement, j'aurais attendu, mais... Ok. Gollum rageux aussi. C'est pas ça, c'est vraiment pas facile. Effectivement, les timings sont très serrés, mais courage. Ouais, franchement, j'arrive pas à parler. Franchement, les timings sont hyper serrés, mais c'est cool. Ça me dérange pas, ça me fait pas rager pour l'instant. Parce que le jeu... Yos. 45 morts. Le jeu, il est généreux en checkpoint. Donc, ça me dérange pas trop. J'ai enlevé ces lunettes, là. Let's go, c'est parti. Ouais, je suis à la manette, oui. À la manette.
le jeu est beaucoup plus agréable, je trouve. Je m'étais déjà dit ça pour le premier. Et dans le deuxième aussi, quand tu lances le jeu, il te conseille carrément d'y jouer à la manette. Voilà, anecdote, on s'en fout, mais voilà. C'était chaud là. Ok, ça roule. Bisous, bisous. Bon, ok, alors lui. Ok, le suivant. Alors, qui sont les petits? Petits. Dans l'armoire là? Il y a une sauvegarde. Il y a une sauvegarde. Quoi qu'il arrive, on progresse. Quoi qu'il arrive. Oh. Oh, elle est là, la petite copine. Allez, ça aurait été masterclass que je crève pas ici. Ça aurait été masterclass, putain. Maintenant, je suis obligé de mourir encore une fois, c'est sûr. Pourquoi j'ai pas pu enchaîner? C'est trop dommage. Cœur sur toi, hein. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à une certaine étape que moi j'ai fait. Ah ouais? Ok. J'avais dit que j'allais mourir du coup, je vous l'avais dit. T'aurais continué le Gollum, t'aurais réussi. Peut-être. Peut-être en vrai. Putain, mais on a 47... Non, mais c'est chaud, par contre. 47 morts, les gars. C'est pas légal, hein. Mon marteau, il a... Je... Ok, on a 48. Ok, mentalement, je suis occupé de give up. On a 49. Attendez. Là, j'ai senti que j'avais give up, là, mentalement. Oh, putain! Nous le trouverons. Et il sera pour moi! Ah. Oh. Voilà. Deux petites minutes. Ouh, pire que Dark Souls, pas. C'est vrai que... Six, il se défendait pas dans le... Ah, oui, c'est vrai. Dans le premier, il n'y avait pas de combat. Il n'y avait pas ça. Et ça, c'est cool. J'aime bien. Mais c'est chouette qu'il soit plus dur et plus long. Attention, les esprits mal tournés. C'est chouette qu'il soit plus dur et plus long que le premier jeu. J'aime bien. Attention, la tête. Attention la tête. Elle est en vie, hein, oui. Attention la tête. Protège ta tête. Please. Oh. Je suis revenu te chercher. De ma copine. Ça t'a fait une promesse, tous les deux. Non. Allez, viens, je te lâche plus maintenant. Donne-moi ta main. Allez, viens. Avance. Ici. Allez, viens. Je suis. Viens, on se casse. J'ai besoin d'aide. Vite. Sortons d'ici. Donne-moi ta main. On y va. Donne-moi ta main! Si tu veux pas, d'accord. Donne-moi ta main. Je te lâche plus maintenant. Ah, je peux pas. Ok, tu veux te concentrer toute seule. Oh oh. Oh non, la planche, elle est cassée là, non! On va te séparer de nouveau. C'est sûr, attention! Oh! Oh le jeu, j'ai trop cru! Alors la porte, plus le bip bip, voilà. Hein. Six masterclass, beaucoup trop forte. Bah oui. Ah, c'est une meuf, Six? Ah bon, je sais pas.
sais pas pourquoi je grimpe. Pour sauter comme une merde derrière. Ok. Ah, attention, je serais toi, je m'éloignerai. Hein. La voix de ce chapeau, ça va. La voix avec ce chapeau, ça va hyper bien, ouais. Ah, tu veux sauter? T'es sûr? Attends, on peut grimper à la corde, non? Ok, on saute. Attention. Ah, il faut sauter en même temps. Désolé pour les oreilles, hein, parce que là, ça a gueulé, là. Il fonctionne encore ou pas? Alors, il faut une clé. Bon, YouTube, ce niveau-là, je vais peut-être diviser la VOD en deux, je ne sais pas encore. On verra. D'accord, YouTube, parce que la VOD fait 2h14 minutes. Tu vas la courte échelle? On peut, là? Ok. Moi, je vous dis, je sens la fatigue, hein. Je suis fatigué. Il y a un truc pour la frapper. Il y a un truc pour la frapper derrière. Ok. Discrétion. Elle a la clé. Et c'est quoi? Oh, quel boss! Quel boss! Quel boss, elle attire son attention. Tiens. C'est une grenouille qu'elle butait? Je sais pas c'était quoi, mais... je sais plus comment ils font pour l'appeler... comment on sait qu'elle s'appelle Six? Je sais plus trop. Il s'appelle Mono ici? Ok. Je sais plus comment on fait pour savoir les noms dans le jeu, s'ils le disent ou pas à un moment. J'avoue, je sais pas du tout. Kaizen? Des bisous, merci de te passer pour la reprise. Vraiment, j'insiste, je le dirai à tous ceux qui sont déjà passés aujourd'hui. Mais cœur sur toi. Et peut-être à demain sur Zelda. Sur Zildo. Ok, c'est juste sur le site officiel, d'accord. Donc là, on joue Mono, d'accord. T'approches pas de lui, tu fais quoi? T'approches pas de lui. I guess, ok. Ils ont la même gueule que ton emote, Colifla. Là, l'ambiance devient creepy, là. Grave. Grave, Leios. De toute façon, vous pouvez pousser la porte à deux en bas? Non, je pense pas. Pardon. J'ai envie de remettre un peu le... Oh, celui-là. Oh, bien. Une trappe au-dessus. Attends, et toi, tu... Toi, tu fais quoi, meuf? Tu restes là?
y a le piano et il y a une autre musique en plus, et ça fait beaucoup, c'est violent. Il est trop cool ce chapeau par contre, hein. Ok, ok, je vais crever 1000 fois ici. Il faut que j'abaisse le pont au-dessus. Et on va devoir le faire quand elle joue. Attention qu'elle s'arrête pas d'un seul coup, hein. Besoin. Oh non, je vais devoir tirer, l'espèce de plinth, le petit truc devant en plus. J'arrête, j'ai trop peur. Vas-y, stop, écris. Tellement dans une ambiance que ça me paraît très difficile en fait, tu vois, Natalia. Le jeu me donne l'impression que ça va être... que je vais en chier. J'attends. Désolé, j'aurais pu, mais... Soyons prudents. Je peux le faire en intrage là. Normalement, là, on est bon. Putain, je crois qu'elle s'arrêtait. Je bouge plus, moi. Elle passait sa tête, elle observait, elle a regardé, puis... Oh. Et puis elle est partie. C'était stylé. Ah, la pluie, je sais pas pourquoi la pluie, ça fait du bien, là. Merci Psycho, merci Natalia. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, Colifla. Donne-moi la main. Est-ce que ce serait la fin du chapitre? On l'aurait pas tué? La taille du coup est impressionnante, hein. Ok, on est bientôt à la fin du chapitre. Je vais voir là-bas s'il n'y a pas un petit bonus.
Je vais peut-être crever bêtement, d'accord? Ah non, non, c'est trop loin, je peux pas sauter là. Le bruit de la pluie. Cet endroit est trop stylé. Ah, attends, là. Ah non, je peux pas passer là. On cherche les chapeaux, vous savez. Oh, cette pluie. Eh, viens. Psycho, tu sais comment... Non, non, il faut pas me spoiler. Non, j'allais poser une question, mais non. Eh, viens. Doucement, doucement. Doucement, on va y arriver tous les deux. Succès déverrouillé, main dans la main. Moi? Ok, y'a rien. Redonne ta main. Colifla. Je peux être bloqué là, hein, quand même. Ah, ou je peux juste la faire rouler. Ah. Bon, attends, ça semble chaud la distance là. Caillou, je peux le bouger. Attends, on va retenter, mais... Je reste le caillou, non. Je dois faire un jump pareil. Mais, attends. Peut-être je peux grimper sur le couvercle, hein. Je vais voir. Je peux grimper, là, ou pas? Mais j'arrive même pas à jump. Elle me suit pas, elle. Je suis bloqué. I am blocked. Ah, mais attends, on peut refermer le couvercle si on pousse tout droit, non? Non, que dalle. Ah si, voilà, en poussant tout droit. Ok. Putain. Faut le voir, hein. Et là? Oh putain. Est-ce qu'elle va y arriver? Trop balèze. L'ambiance pluvieuse est incroyable. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donne ta main. Donne ta main. Oh. Oh. J'ai cru que c'était un chapeau. Attends, je peux le mettre dans l'eau? Ah non. Allez, viens. Donne ta main, viens.
Ah, qu'est-ce que c'est badant. Donc c'est Six. Ah, je le savais, parce que je m'en doutais, vu que vous en avez parlé. Hein. Vous l'avez pas dit, mais c'était sûr, du coup. C'était sûr, du coup. Eh ouais, je le savais. Eh bien, compris que c'était elle. Donc ça se passerait avant le 1, alors, pour, probablement. Bah, d'office. D'office, en fait. Par contre, c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. En vrai, c'est juste trop cool. C'est trop mignon. Ah, putain, tout ce qu'elle va vivre. Tout ce qu'elle va vivre derrière. Oh là là. Et nous alors, comment on va être séparés? Pourquoi? Oh là là! Salut Titi 2014, ça va bien et toi, dis-moi? Bienvenue. On a des années dans ce jeu? Dans le 2, oui. Pas dans le 1. La jaquette du jeu spoil aussi ce moment. Non, Psycho, je suis pas vrai. De quoi tu parles? Non. Enfin, pas. Dans ma tête, non. Alors moi, je savais qu'on allait rencontrer Six. Je savais qu'on allait rencontrer Six, mais vraiment, je savais pas que c'était elle, pas du tout. Dans ma tête, c'est la suite du jeu, donc là, c'est la suite de l'histoire, tu vois. Mais vous étiez là, ah, quand tu vas savoir c'est qui le personnage qui est avec toi. Dans Little Nightmare, genre, il y a zéro personnage, il y en a deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc là, j'ai fait, bon, bah, c'est Six. Oh, les gars, vous êtes vraiment pas subtils, hein. Vraiment, il faut le dire, quand même. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais clairement, non, moi, je m'attendais à croiser Six. Je viens de me bloquer. Croyez-le ou non, je suis bloqué. Je peux pas sortir. Je vous jure, c'est la deuxième fois qu'on se bloque dans le jeu. Je vous jure, gauche, droite, bas, je peux pas bouger. Et quand je saute, je ne... Est-ce que je peux m'accrocher quelque part? Non, j'y arrive pas. Hein. On vient de se bloquer une deuxième fois. Je dirais qu'il y en a deux Natalia, si pas trois. Déjà Cléos, il a dit Six, c'est une fille. Et je sais pas, moi ça m'a fait penser que du coup c'était forcément celle qui était avec moi. Et enfin bref. Bon, elle s'est fait bloquer, c'est de la merde. Genre un mec ou une meuf qui soit aussi attentionné que Batasha qui dit donne ta main. Moi. Merde. Moi, tu trouveras un jour. Mais. On va revivre la scène avec le manteau? Oui, c'est bon. Donc on est bien avec Six. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais je devrais pas m'arrêter là? Natalia? C'est bien là, allez, bonne nuit. Ah voilà, on est bien là, ok, c'est bien ce qui me semblait. J'allais dire, ça va... là on va entamer une autre partie là. Ah mais on va s'arrêter ici hein, les amis. On va s'arrêter là-dessus en fait. Bon bah l'épisode s'arrêtera à YouTube sur moi qui râle et qui me bloque dans un bloc. Nice. Non non mais je me doute Leios, je me doute, mais je sais pas, c'est arrivé plusieurs fois sur le live aujourd'hui. Vraiment. Que je comprenne via des messages que c'était Six, quoi. Après, je m'en doute. Je m'en doutais. Enfin, non, je m'en doutais pas de base. Non, pas du tout, en plus. Genre, vraiment pas, en plus. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant... Bon, oui, on s'arrête ce soir. Normalement, je stream souvent très tard. Une minute trente, quand même. Ça va. Je surkiffe, hein. Il est beaucoup plus dur, évidemment, que le premier. Mais c'est bien. J'aime bien les jeux qui sont un peu compliqués. Donc ouais, on est mort 49 fois, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, même s'il est dur, je suis quand même un peu une merde, hein, j'ai l'impression. Adblock, non, non. Non, non, je ne cautionne pas ça. 49, on sera pas passé à 50, c'est beau. Dire que, je répète, dans le jeu de base, j'étais à 35. Et avec le DLC, 64 en tout. Donc voilà. Et ben, YouTube, ouais, que dire de plus? C'est cool, c'est au moment où on rencontre, enfin, on se rend compte en tout cas que c'est Six. S'arrêter là, c'est cool, c'est chouette. Ça fait du bien de revoir le petit manteau jaune en fait. Ça fait vraiment du bien de le revoir. Je me rappelle quand le jeu est sorti, Little Nightmare, je voyais l'image du manteau, je voyais que le. J'avais vu des images et il m'avait pas du tout donné envie. Putain, quelle erreur! Quelle erreur, c'est trop bien, ces jeux sont trop trop bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de les tenter. Et YouTube, c'est la fin de cet épisode. Salut YouTube.